Je suis le frère Baba Tunde Nathaniel, mon épouse, la sœur Baba Tunde Carole. Nous sommes mariés depuis le 12 septembre 2003. Donc ça nous fait 19 ans de mariage. Et Dieu nous a bénis pendant ces 19 ans avec 4 enfants. Donc nous sommes parents de 4 enfants très sages que Dieu a fait la grâce de nous donner. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Sur le plan professionnel, je suis médecin. Mon épouse est médecin, elle est cardiologue. Moi, je suis médecin, je suis réparti en formation pour faire de la chirurgie générale. Donc voilà un peu, de façon résumée, la présentation. Nous allons rendre témoignage de la grande bonté de Dieu envers nous, qui nous a aidés dans le ministère. Nous avons connu des crises. On va mettre l'accent aujourd'hui sur l'aspect nous quitter pour aller servir le Seigneur. Parce qu'il fut un moment, je partais beaucoup, je sortais beaucoup. Et elle restait beaucoup plus à la maison. Ces dernières années, c'est elle qui sort beaucoup. Et moi, je suis un peu plus à la maison. Alléluia! Mais ce sont des crises que Dieu nous a aidés dans sa grande miséricorde à gérer de façon victorieuse. Et je voudrais passer donc la parole à mon épouse. Le témoignage sera essentiellement rendu par elle. Mais je voudrais dire déjà merci au Seigneur de tout mon cœur. Vous savez, bien aimé, notre couple est le résultat de la puissance de Dieu. Notre couple est le résultat du triomphe de la puissance de Dieu à instruire les hommes, à les enseigner, à les diriger, à les conduire. J'ai failli détruire notre couple la première année de notre mariage parce que je ne comprenais pas beaucoup de choses dans le couple. Et j'avais beaucoup de confusion en moi. Mais la grande miséricorde de Dieu s'est manifestée envers nous. Dieu m'a enseigné, il m'a instruit. Il a ouvert mon esprit, il a mis des hommes et des femmes autour de moi, le couple Meunier. Nous nous sommes mariés, nous étions tous les deux vierges. Donc, on ne connaissait rien du tout dans la sexualité. Mais je vous dis, frère, Dieu est puissant. Alléluia. Dieu nous a enseigné ces choses de façon extraordinaire. Nous n'avons jamais, jamais consulté Internet pour apprendre quoi que ce soit. Dieu nous a aidés à gérer notre couple. Et par la grâce du Seigneur, on a grandi dans l'amour l'un pour l'autre. Et nous avons grandi dans l'amitié. C'est-à-dire nous avons grandi dans le fait qu'on s'aime en tant qu'épouse. Et nous avons grandi dans le fait d'être des amis. Je voudrais déjà dire ça parce que pour moi, c'est la plus grande richesse dans notre couple. Le fait que nous avons une relation d'amitié et nous avons une relation en tant qu'époux. Je vais bénir le nom du Seigneur et lui rendre toute la gloire. Que la louange et la magnificence lui reviennent. Amen. Bon, je passe le micro à mon épouse, la sœur Carole Baba Tunde. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Et que ce week-end soit un week-end de profonde restauration pour chaque couple, de romance, de retour à une romance que nous n'avons jamais expérimentée dans le passé. Amen. Quand nous nous sommes mariés, j'étais déjà semeur. Mon principal ministère, c'est le ministère du chant. Et partant de là, j'ai développé beaucoup d'autres choses que je fais parce que j'ai appris à regarder et à me dire qu'est-ce que je peux faire,
qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire. Et Dieu a agrémenté cela avec le don d'administration. Donc j'aime organiser, j'aime bouger, j'aime les urgences. J'aime quand je suis en train de bouger, quand je suis en mouvement, la vie coule en moi. Donc quand nous nous sommes mariés, j'étais déjà semeur. Je n'étais pas la dirigeante des semeurs à cette époque. J'avais une relation d'amitié avec mon faiseur de disciples, qui est maman Colette Meynier. On était pratiquement tout le temps ensemble. Quand je descends des cours, j'avais trois maisons. J'avais le Akumasi, qui était le siège à l'époque. J'avais mes affaires là-bas. J'avais un petit sac avec des effets. Quand je viens à la nuit de prière, le lendemain, je m'apprête pour aller au stage ou bien à l'école, à la fac. J'avais un sac à la maison, chez eux, aux deux plateaux. Et j'avais un sac chez nous à la maison. Parce qu'à tout moment, je peux me retrouver à Kumasi. Du travail, de l'école, je partais à la veillée. De la veillée, je repartais au stage. Et quand nous nous sommes mariés, il y a déjà eu, un petit choc. Parce que la puissance avec laquelle tu es attaché à quelqu'un, et puis une troisième personne vient, il y a forcément un clash. Donc du coup, on a commencé à être tout ensemble, lui et moi. J'avais plus beaucoup de temps pour maman Colette. Au nuit de prière, quand je viens, on est ensemble, lui et moi, on veut causer. Quand on arrive, il avait une place, avant quand on était, bon, il avait sa place, et moi j'avais ma place. Par la grâce de Dieu, on était fidèles aux nuits de prière, bien qu'on n'était pas mariés. Donc chacun avait une place bien distincte dans la salle de Kumasi. Il aimait s'asseoir vers le mur là-bas, et moi j'aimais m'asseoir de ce côté, à côté de la sœur Madeleine Kofi. Du coup, il me dit, viens t'asseoir à côté de moi. Il faut venir à côté de moi. J'ai dit, oh, on n'est pas encore mariés, attends un peu. Viens t'asseoir à côté de moi. C'est le cœur qui parle. Un jour, on était au CHU. On était en train de monter. Cette image m'est restée comme si c'était hier. On montait, on était dans la salle de consultation au CHU de Cocody, dans le box, le hall des consultations, le bâtiment des consultations externes. Mon collègue m'a appelé. Elle m'a dit, j'ai dit, avant Baba Toundé là, moi j'étais là. Hein. Avant Baba Toundé, moi j'étais là. Il faut bien faire ta chose là. J'ai compris en même temps que j'étais en train de mettre en péril une relation qui m'était vitale. Il fallait faire la part des choses. Dieu nous a aidés. Dieu m'a béni avec un homme qui est extrêmement bon et qui m'écoute. Donc on s'est efforcé de gérer. Les soirs, on nous disait à 19h, vous ne devez pas être ensemble. Donc à 19h, où est-ce qu'on peut être? Parce que lui, il vivait seul. Et moi, j'étais en cité. Donc si ce n'est pas en cité, on est chez lui. Donc à 19h, maman Colette va m'appeler. Quand le téléphone sonne, dès que je vois son numéro, je dis bon, avant de décrocher, il faut que je sorte d'ici. Donc quand je décroche, je dis, oui maman, je suis en train de rentrer. Et là, si on n'a pas fini, si on veut encore être ensemble, on continue, nous deux, on va aux deux plateaux. Là, sur la terrasse, aux vues, au-dessus de tous, on peut causer jusqu'à 23h. Là, il n'y a pas de problème, vous êtes en famille. Et nous avons pu réussir, on a réussi à traverser cette première partie des fiançailles. Quand il a découvert l'état de ma relation avec maman Colette, la profondeur, l'intimité qui nous liait, il m'a dit, il faut que je fasse tout pour que tu gardes ta relation avec maman Colette. Il ne faudrait pas que tu perdes cette relation. Et ça, il avait gagné un grand point dans ma vie et dans mon cœur. Parce que maman Colette n'était pas juste pour moi, faisait disciple, c'était une mère à part entière. Elle m'a appris comment marcher, elle m'a appris comment m'habiller. C'est elle qui m'a donné ma première lotion. C'est elle qui m'a appris comment est-ce qu'on va avec un homme. C'est elle qui m'a appris comment est-ce qu'on se lave. C'est elle qui m'a appris qu'on regarde son visage au miroir. Moi, j'étais une jeune fille. Oh là là, j'ai pas le temps.
Quand je me suis lavé, j'ai mis la pommade, on est parti. C'est elle qui m'a appris qu'on fait le gommage. Je n'ai pas le temps. J'ai quitté mes parents quand j'avais 17 ans. Donc elle a été pour moi une mère au sens propre du terme. Donc c'était une relation vraiment vitale. Quand j'ai accouché, après notre premier enfant, je saute les... Puisqu'il s'agit de crise, comment est-ce qu'on a réussi à s'en sortir par rapport au ministère? Quand j'ai fait notre première fille, Esther Babatunde, en 2006, il s'est trouvé que nous avions... On vivait chez le couple Mbala à l'époque, à Kumasi. Nous avons fait un mois, ils nous ont reçus un mois à la maison. Après, nous sommes rentrés en famille. Un jour, mon mari m'a dit, il faut que tu ailles passer quelques jours chez les parents. Il a organisé mon départ avec Esther, avec l'enfant. Il m'avait offert un nouveau téléphone. Quand j'ai accouché, il m'avait acheté un nouveau téléphone, un Motorola avec clapet. En 2006, c'était quelque chose de très cher, de très précieux. Et vous savez, avec les enfants, quand tu te déplaces, même si c'est pour un jour, c'est comme si tu déménageais. Donc tu te déplaces avec la moustiquaire, il y a des habits de rechange, il y a des couches. Tout un sac pour l'enfant et toi-même. Et dans le taxi, quand j'arrivais... Par mégarde, j'ai laissé le téléphone dans le taxi. J'avais l'enfant, j'avais beaucoup d'effets. Donc quand je suis arrivée, je descends, je veux appeler pour lui dire que je suis bien arrivée. Je me rends compte que je n'ai plus de téléphone. J'ai essayé d'appeler en vain. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a décroché le téléphone. Et j'ai perdu ce cadeau que mon époux m'avait fait. On n'avait pas beaucoup d'argent à l'époque. C'était un grand sacrifice qu'il avait consenti pour me faire du bien, me faire plaisir. Donc il a accepté de me laisser partir avec l'enfant. Et à plusieurs reprises, il planifiait, il me laissait partir, il me dit « va faire quelques jours chez les parents, va faire quelques jours chez les parents ». Et il reste à la maison. Entre griffes, il se débrouille. Il n'est pas resté à ce stade-là. On avait les répétitions. Il fallait aller aux répétitions. Nous avons évolué et par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a donné la responsabilité des semeurs. J'ai trouvé en mon mari quelqu'un qui a su me comprendre. En fait, quand je dis qui a su me comprendre, c'est de ces dernières années que j'ai réalisé que Dieu m'a fait beaucoup de bien. Un jour, il m'a dit, j'étais partie et puis je suis revenue. Il m'a fait asseoir, il m'a dit, j'ai dit à Dieu que je te redonne à lui. Alléluia. Il dit, j'ai dit à Dieu que je te redonne à lui. Parce que le Seigneur m'a rappelé que le fondement de notre amour, c'est à ses pieds, c'est dans le service. Que si nous voulons rester, notre amour, c'est de nous regarder dans les yeux l'un l'autre, nous contempler, passer du temps ensemble, nous amouracher, être sûr que l'autre à côté tend dans le lit, nous allons perdre notre amour. Que ce qui fait la flamme, ce qui fait la particularité de notre amour, qui fait qu'on est amoureux, c'est comme si c'est chaque jour, c'est comme si tu veux seulement que demande-moi encore un mariage, non. Chaque jour, tu veux, hey, tu m'as fait quoi même? Tu m'as donné quoi même? De toi à moi, qu'est-ce que tu m'as fait? Et puis mon cœur, quand je pense à toi, mon cœur est sucré comme ça. Donc, le Seigneur lui a redit ça. Donc ce jour, il m'a fait asseoir, il m'a dit, il faut que tu cours pour le Seigneur. Je te libère pour courir pour le Seigneur. Je te libère pour courir pour le Seigneur. L'année passée, pour la croisade, mon époux nous a laissé, les enfants et moi, nous sommes venus faire 40 jours à Tiekwa. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il m'a dit, je suis partie la veille même, autour de 23 heures, puisque nous commençons la chaîne de louanges au niveau des semeurs la veille, le 30 nuits, jusqu'au premier matin.
Il m'a dit, il faut partir avec les enfants, ça va leur faire du bien. Donc, j'ai vidé la maison. Je suis partie d'abord, je suis venue seule parce que j'ai dit, je vais d'abord aller voir. Aujourd'hui, je vais aller d'abord poser ma tête, voir comment faire pour les faire venir. Ils vont venir demain avec le convoi. Et c'est comme ça que les enfants sont donc venus le lendemain avec la nounou. Même la nounou, il a dit, va avec, parce que toi, tu vas aller au travail. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour essayer de voir comment les enfants vont. Et c'est comme ça qu'il nous a, il m'a laissé partir avec les enfants. Frère, pendant 40 jours, un homme marié. À un moment donné, j'ai dit, même quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer aussi. Pas parce qu'on t'a dit d'aller 40 jours à Thiers, quoi, que tu vas aller te coucher aussi 40 jours à Thiers, quoi, et puis tu dis, Seigneur, je te rends grâce pour ta bonté, ta faveur. Donc, les dimanches, quand on finissait ici, le soir, je rentrais à la maison pour aller voir comment va la maison. Est-ce que la cuisine n'a pas bougé? Et la nounou faisait, notre fille faisait les sauces, elle rangeait au congélateur. Il va au travail, il revient, il fait sortir, il chauffe. S'il y a le riz à faire, il le prépare lui-même. Il mange, il repart au travail. Ça m'a tellement bouleversée. Cet épisode de notre vie, ça m'a, de façon positive, ça m'a provoqué de l'intérieur. Comment tu peux avoir un mari aussi bon? Est-ce qu'il en existe un autre sur la terre? Est-ce qu'il peut exister un homme aussi bon sur la terre? Un époux aussi bon? Qui est préoccupé de savoir que, qu'est-ce que tu dois faire? Fais-le. Qu'est-ce que tu dois faire? Vas-y. Qu'est-ce que tu dois faire? Vas-y. Les crises que nous avons eues, s'il y a eu des chocs, des incompréhensions au niveau du ministère, c'était parce que tu es absente. Il prend la relève au niveau des enfants. Je lui ai dit, tu es un merveilleux papa, mais tu es un père fantastique. Notre deuxième, Esaïe, a dit que cette année, il ne voulait pas de répétiteur. C'est lui qui travaille avec Esaïe à la maison. C'est-à-dire quand il est de garde, Esaïe est déboussolé. Il dit, je voulais travailler papa aujourd'hui. Demain, là, ils disent qu'on doit faire telle chose. Je vais étudier avec lui, on devait faire telle chose. On lui a demandé, mais on peut te prendre quelqu'un qui va travailler. Il dit, non, il ne veut pas. Il veut travailler seul, il veut étudier seul. Et quand Dieu me donne l'occasion, je travaille. Je vais à l'école avec voir les enfants. Je vais à l'école les déposer. Les nuits de prière, il me demande, quand on finit parfois les mardis, il me dit, tu fais comment? Quel est ton programme? Tu restes ou bien tu rentres? Il dit, je vais rester à la nuit de prière si tu me libères. Il dit, ok, donc moi je m'en vais. Donc tu vas rester pour la nuit de prière. Alléluia. Le dernier élément que je voudrais, sur lequel je lui ai décerné il y a quelques années, le diplôme du meilleur mari. Parce que pour qu'une femme s'épanouisse, il faut qu'il y ait un époux qui te permette de t'épanouir. Il a découvert ce que j'aimais, ce qui était ma vie, ce qui était ma passion. Ça n'a pas tué notre foyer. Ça n'a pas détruit notre amour. Il ne m'a jamais dit que tu es venu pour m'aider. Arrête-moi ça, viens m'aider. Et comme il a dit au début, c'est lui qui était toujours absent. Avant qu'il ne commence la chirurgie, quand les parents voyageaient, quand le pasteur Meunier ou bien maman Colette voyageait, le contrat était clair pour nous. Soit c'est lui, soit c'est moi, quelqu'un va aller rester avec les enfants. À Bessicoua ou bien la Riviera, quand ils étaient encore à la Riviera. Ou même aux deux plateaux. C'était notre contrat de mariage. Nous sommes heureux tant que nous sommes en train de servir Dieu et les hommes autour de nous et nos parents. Donc parfois, un mois, il dit, je viens vous saluer aujourd'hui. Ok, gloire à Dieu, merci beaucoup, ça va chez toi? D'accord, ok. Donc on se revoit tout à coup. Et puis il repart. Mais depuis qu'il a recommencé avec la chirurgie, avec les gardes et le programme, c'est devenu plus compliqué. Il n'a plus ce temps disponible là. Et un jour,
Il était parti en voyage. Habituellement, quand il va en voyage, quand il va accompagner, quand il part accompagner, papa, il revient. C'est la fête, c'est la déco. Je crée une coiffure là. Je mets une tenue vraiment pas possible. En tout cas, je crée quelque chose dans la maison pour l'éblouir. Une parenthèse, un jour je me suis sapée, il devait venir, je me suis sapée à la maison. Je me suis habillée, une tenue que je ne mets pas habituellement, en tout cas une tenue VIP, avec une chaussure, talon. J'ai crié la coiffure. Les enfants, maman, tu sors. J'ai dit, votre problème se trouve à quel niveau? Vous avez quel problème? Attendez, vous allez voir ce que je vais faire. Donc je me suis assise au salon. Donc ils sont là, ils tournent, tu vas où? Faut nous dire, tu vas où? Tu vas où? J'ai dit, calmez-vous. Donc quand il est venu, j'ai dit, c'était pour l'accueillir. Aïe, oh. Donc tout ça là, c'était pour accueillir. Il dit oui, c'était pour l'accueillir. Donc un jour, dans cette folie là, dans cette folie de cette romance folle, il est parti avec le pasteur Minier et puis ils sont revenus. Non, ils venaient, je suis là, je les accueille et tout. Je l'accueille à la maison, je fais quelque chose, je crée. Et ça aussi, j'ai appris ça avec maman Colette. Maintenant, un jour, moi-même, je suis partie. J'ai voyagé aussi. Et puis, je reviens. Le pasteur n'est pas à la maison. Non, ce jour-là. Mais 1 plus 1 ne faisait plus 2. Le pasteur allait pète les brebis. J'étais ébranlée. J'ai dit, aïe. Donc le jour où moi aussi je viens là, il n'a pas trouvé le temps pour rester. Même pour faire un bœuf, mais il n'y a pas de décorer la maison. Hein. Un bœuf seulement. Ouais, ça m'a fait mal. Je suis partie trouver maman Colette. J'ai pleuré, je lui ai dit maman. Non, je te raconte l'histoire. Il me demande pardon. Tu ne peux pas te souvenir. En fait, chers maris, chers époux, les femmes, elles ont des mémoires. Hein. Ceux qui sont venus avec leurs épouses ici, j'ai dit à un frère, offre à ta femme ce cadeau. Parce que pour nous, là, ce n'est pas la lune. Hein. Le fait que tu m'emmènes, ce n'est pas l'enseignement, que tu m'amènes à cette retraite des couples, tu gagnes des points que tu ne peux pas imaginer dans mon cœur. Donc je dis, pardon, offre ça à ton épouse comme un cadeau. Même si tu n'as pas le temps, il faut crier. Parce qu'il y a des détails que nous considérons, nous femmes, que les hommes, pour eux c'est trivial, il n'y a rien quoi. Donc je suis allée voir maman Colette, j'ai pleuré, j'ai dit maman, chaque fois qu'il va venir, je vais me saper, je vais pas au salon, mais Dieu m'a béni, mes mains là, tout ce que j'ai fait là, a créé quelque chose. Je vais créer une coiffure, je vais parfumer la maison, en tout cas je vais créer. Maman, le jour où je voyage, une fois là, j'ai voyagé là. Et elle m'a dit, elle m'a donné un petit livre là. Elle est merveilleuse. Elle m'a donné un petit livre. Que j'aille lire. J'ai oublié le titre, mais c'était à travers les larmes. La suite de la phrase était à travers les larmes de ce titre-là. Je ne sais pas si tu te souviens de ce livre. C'est tout petit comme ça. Hmm? Merci beaucoup. Aimer Dieu quand ça fait mal. Je suis repartie de là. Elle m'a dit, il faut c'est un ministère que tu rends. N'arrête pas de rendre ministère parce que tu attendais l'appareil. Il faut continuer de couler. Continue de couler vers lui. Donc je suis partie de là étant guérie. Et j'ai recommencé, j'ai mis de côté. Ça fait que je ne sais pas si je lui en ai parlé, je ne sais pas. Parfois on en parle et puis bon, comme ce n'est pas resté un dossier familial, c'est oublié. Mais je le rappelle, dans le ministère, les chocs que nous avons eus. Je vais terminer avec ce dernier témoignage. Non, il y en a tellement, frère. Quand j'étais enceinte, notre première fille, là, excusez-moi de faire des va et des viens dans le temps et dans l'espace. En 2006, j'ai soutenu à un mois de l'accouchement.
J'étais pratiquement à terme. Et j'étais enflée de partout. C'est mon époux qui allait rencontrer mes différents membres du jury avec le document. Je ne pouvais plus me déplacer. J'étais lourde. J'avais de la peine à me déplacer. Mais c'était une lucarne parce qu'il y avait une grève à l'époque à la fac de médecine. Ils ont créé une trêve de 2 semaines. Et on a dit, si tu veux soutenir, soutiens maintenant. Sinon, il y a année blanche. C'est l'année prochaine que tu vas revenir. Donc, il nous fallait foncer dedans pour que je sauve l'année académique. Donc, c'est lui. Si vous voyez les photos, il est tout amaigri. Mais il n'était pas dans le jeûne. Mais en réalité, c'est lui qui a soutenu cette thèse-là. Il allait ici, il allait là-bas, il allait rencontrer les différents membres pour leur remettre le document pour qu'ils lisent. La nuit, pour travailler sur le PowerPoint, c'est mon mari, il m'a dit, va à la maison, va te coucher, va t'allonger. Il est resté, il a passé la nuit au CHU de Cocody avec un de mes oncles qui devait faire le PowerPoint pour travailler avec lui. Je suis venue le matin, toute pimpante, dans la grossesse bien sûr. Mais c'est lui qui était en train de travailler. Qui savait pourquoi. Donc il s'est assis juste derrière moi. C'était très stratégique. Il était juste derrière moi. Donc quand on dit, mais Tèche, pourquoi vous n'avez pas fait ci, pourquoi vous n'avez pas fait ça? Donc quand je tourne, il dit, regarde bien l'avant-dernière page, regarde bien. Donc je tourne avec assurance. À toutes les étapes de la vie, à toutes les étapes de notre vie, il a été... Dieu nous a fait la grâce de cogner la tête et de revenir. Entouré par le conseil de nos bien-aimés parents. Et la dernière aventure, c'est celle d'hier. Dans le feu de l'organisation de l'événement, comme j'ai dit, là, j'aime les urgences. C'est-à-dire que quand, c'est comme si c'est pour sauver une vie humaine. Là, je rentre dans l'eau, je saute dans les airs, je rentre dans le feu, pourvu que ça réussisse. J'aime ça. Donc, j'ai fait 24 heures sans fermer les yeux. Donc, hier, je rentrais, on a fait demi-journée. Puisque tu travailles dans la journée, je travaille du lundi au samedi. Donc, il fallait, la nuit, tu travailles, le jour, tu vas au travail. Donc, il fallait que je travaille. Vendredi, c'est demi-journée, on a fini à midi. Je rentre. Pour moi, je devais me reposer dans la journée parce que j'avais mal à la tête. J'ai dit, je rentre, je me repose et puis je vais aller à la nuit de prière. Quand je suis arrivée, il y avait tellement de choses qui n'étaient pas encore prêtes à mon niveau. J'avais des points que je devais faire, je n'étais pas encore prête. Donc je me suis assise, j'ai commencé à travailler. 18h arrivée. Et puis je dis que je vais à la ligne de prière. Il me dit, tu es sûr que tu peux te tenir à la ligne de prière? Et frère bien-aimé, j'ai pris mon sac avec vaillance. Je suis allée dans la chambre. J'ai dit là, je serai dans mon élément, je vais bien travailler. Je commence, je suis en train de travailler. Je somnole. J'ouvre les yeux. Il était à côté, il m'observait. Il me dit, chérie, va te coucher. Je dis, non, il y a un dernier point. Si je ne finis pas ça, ce n'est pas bon. Les frères attendent mon point, il faut que je leur donne ça avant d'aller me reposer. Frère, finalement, c'est lui qui avait raison. Il m'a presque commandé, va te coucher. Et vous savez ce qu'il a fait? Il dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Il a récupéré le travail que je devais faire. Frère, il a travaillé jusqu'à quelle heure? 3 heures. Jusqu'à 3 heures du matin pour me permettre de me reposer. À 3 heures, il m'a réveillée. À 3 heures, il m'a réveillée. Puisque je lui avais dit qu'il fallait que je quitte la maison à 5h30. Ouais, dans le temps. Il m'a réveillée à 3 heures. Et il est déjà 3 heures. Et c'est là que lui, il s'est couché. Il m'a fait le point du travail qu'il avait abattu. J'ai pu appeler les frères pour leur déposer le point en leur demandant pardon parce que j'étais un peu en retard quand même. Donc, frère bien-aimé, ma prière et le cri de mon cœur, c'est que Dieu nous bénisse. Au-delà de nous, Baba Tunde, quand j'ai contemplé, j'ai constaté que c'est possible d'être marié et votre couple n'est pas un champ de bataille. L'homme et la femme peuvent servir Dieu sans contrainte. Malgré son programme, il veille tous les dimanches avec ses... Il a une équipe. Le pasteur Méni lui a donné un travail à l'époque.
un dossier de, quand on avait fait les répartitions des jours de prière, jusqu'à aujourd'hui, il a gardé le dimanche. Il continue de veiller systématiquement les dimanches avec ses disciples. Quand il ne peut pas. Parfois, c'est au téléphone. Ah, chérie, je ne serai pas là. Je continue directement. On a fini tard. Non, je vais continuer directement à Djami à cause de la nuit de prière. Il n'y a pas de feu. Et on se voit, peut-être même 2 ou 3 jours après. Le lendemain, on s'appelle, ça va, tu as bien dormi. Ok, gloire à Dieu, bonne journée, à tout à l'heure. Maintenant, c'est à tout à l'heure aussi, il y a un autre dossier. Ok, bon, excuse-moi, on devait se voir, non. Vraiment, il y a eu un tel événement, il se trouve que... Un autre, vraiment, pardonnez-moi, hein, je suis rassasiée de la bénédiction d'avoir un époux merveilleux. On avait hospitalisé un frère le jour de la rupture. J'avais fait les 40 jours de jeûne tout dernier, on a fini le 24. Et le vendredi, il fallait que j'arrive à la clinique pour voir un frère qui était malade, que j'avais mis là. Donc j'étais responsable, il fallait que j'arrive là pour voir ce qui s'est passé dans la journée. Donc quand on s'est eu au téléphone, il m'a dit ok. Je lui ai dit que je vais me reposer, mais il faut que j'arrive là-bas avant de revenir pour la nuit de prière. Il m'a dit non, je suis fatigué, il faut que tu te reposes. Et il est parti, il m'a dit je vais aller là-bas pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est parti voir le frère à l'hôpital. Il a pris soin de lui. Le frère m'a dit, mais attends un peu, mais ton mari là. En fait, le frère est tombé amoureux de mon mari en même temps. A dit que moi-même, là, il m'a déclassé dans le cœur du frère. Il ne fait que me parler de mon mari. Il dit, mais ton mari, il est venu, il était assis là. Et puis, là, il fait comme, il observe, il regarde tout. Il me dit telle chose là. Pourquoi? Ici. Tout ce qui ne va pas là, il a remarqué. Il arrange, il va, il vient. Tu penses qu'il n'arrive pas? Et puis, quand il pense que je n'ai pas entendu, il est sorti, il a causé avec toi. J'ai entendu. Tout ça pourquoi? Parce qu'il avait décidé que je me repose parce que je venais de rompre le jeûne. Il ne fallait pas que je ressorte, que je sois forte pour la nuit de prière. Gloire à Dieu. Donc, bien-aimé, c'est possible. C'est possible. De tenir ta femme, ton épouse, et de l'aider à s'épanouir dans le travail que Dieu lui a donné. Et ensemble, on trouve maintenant comment avancer avec le Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour son secours qui nous a transportés. C'est une école, on le dit en quelques mots maintenant, mais c'est 19 ans de vie. Et je bénis le Seigneur pour chaque année, pour chaque instant où il nous a portés, où il nous a rapprochés. On a dû se repentir l'un l'autre, pleurer parce qu'on avait mal fait, parce qu'on n'avait pas été assez attentionné. Mais Dieu a triomphé. Et nous donne aujourd'hui de continuer main dans la main, nous aimant, pas comme au premier jour, mieux qu'au premier jour. Amen. Que son nom soit célébré. Amen. Amen. Juste 2 mots. Dieu a été bon envers nous, frères. Dieu a été très bon. Elle est juste merveilleuse, la sœur Carole. Vous le savez, mais Dieu l'a bénie, elle est merveilleuse. Mais l'une des choses que je voudrais dire, qui nous a permis d'avancer dans la vie de Carole, dans notre couple, qui a été une œuvre profonde du Seigneur, c'est que Dieu a béni Carole avec la capacité de se laisser influencer positivement. Vous voyez, c'est l'un des miracles que Dieu a produit dans le cœur de Carole. Quand Carole traverse une crise, si tu lui donnes le conseil
même si elle pleure, Carole va accepter ce conseil. Je vous dis la vérité, frère. Dieu a béni Carole avec une capacité. Bon, je ne sais pas. Je sais que... C'est-à-dire que si je parle à Carole, bon, vous voyez, je ne me fâche pas facilement. Et puis, j'ai appris avec les parents à être doux. En fait, l'une des choses qui m'a béni dans le couple, c'est que j'ai beaucoup, et je continue d'ailleurs, j'ai beaucoup observé la douceur du pasteur Meunier. C'est l'une des choses qui m'a révolutionné, parce que j'étais très dur, violent. J'étais très violent. Donc quand je ne me rappelle plus avoir crié ou bien avoir pris une grande autorité pour que Carole obéisse. Elle se laisse influencer. Parce qu'en fait, c'est là que je réalise qu'en fait, le secret de notre couple, c'est dans ça là. C'est ce que Dieu a produit dans son cœur. Imaginez-vous, vous avez un mari, comme elle dit, qui est merveilleux, et puis qui dit, on va aller comme ça, il faut faire comme ça. Et puis la personne ne se laisse pas influencer par... Il n'y aura rien du tout. Donc le secret est dans le fait que Dieu a œuvré dans le cœur du Carole. Je vous dis la vérité, ça c'est une œuvre de Dieu. C'est-à-dire, on ne sait pas, par la grâce du Seigneur, on ne sait pas comment on discute sur une direction du Seigneur. On ne connaît pas ça. Elle écoute. Même quand elle n'est pas d'accord, elle écoute, elle peut revenir. Après, j'explique. Et puis, elle laisse. Je voudrais dire merci au Seigneur parce que c'est le secret. Le fait de se... Et puis, elle m'a fait l'une des premières remarques qu'elle m'a faites, c'est que quand on s'est marié, elle m'a dit, tu ne m'écoutes pas. Et je vous assure, bien aimé, c'est quelque chose sur lequel, au début, je ne comprenais pas. C'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé pour réaliser qu'effectivement, je ne l'écoutais pas. Parce que j'avais remarqué que les conseils que j'ai donnés à Carole, et c'est pourquoi à ce moment-là, moi j'avais créé une femme révoltée, hein, première année. J'avais créé une femme parce que ton attitude peut modifier ta femme. Elle était comme révoltée. Donc j'avais remarqué, donc après avoir étudié mon cœur, je réalise qu'effectivement je n'écoute pas. Pourquoi? Parce que quand elle commençait à parler, j'avais déjà ma réponse avant qu'elle ne finisse de parler. Or, quand tu n'as pas pénétré les émotions d'une femme, tu ne l'as pas encore écoutée. Parce que la femme, elle parle beaucoup plus par ses émotions. La femme est émotionnelle. Donc, je ne pénétrais pas l'intérieur de Carole. Et donc, je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Et donc, je donnais donc des conseils, j'avais des positions sans pénétrer le fond de Carole. La conséquence, c'est que ça crée une femme révoltée. Bon, là, c'est des années 2004. Hein? Là, c'est une femme merveilleuse maintenant. Elle a changé. Alléluia. Elle n'est plus la même. Donc, Dieu m'a béni avec la capacité d'apprendre à écouter ma femme. Ça, c'est une des richesses que Dieu nous a données. J'écoute Carole. Des fois, quand il y a du bruit là, j'ai dit allons-y dans la chambre, j'écoute bien. Parce que c'est que si je ne touche pas son homme intérieur, ses émotions, je n'ai pas encore écouté Carole. Un jour, on a eu, notre fille devait sortir pour aller à un mariage. Elle était mage. Page, merci beaucoup. Vous voyez, c'est pourquoi il est bon de se marier. Ouais, elle m'a corrigé. Deux valent mieux qu'un. Alléluia! Elle était page. Donc j'ai remarqué, j'ai regardé l'heure, elle était déjà en retard. Elle était déjà en retard. Donc je n'étais pas content. Et elle va honorer des frères. Elle est encore là. Et c'était au salon. Elle est encore là.
Je regarde son visage. Je vois que son visage est renfrogné comme ça. Et puis elle dit, chérie, tu ne me comprends pas. Tu ne me comprends pas. Donc je m'apprêtais à sortir. Chérie, tu ne me comprends pas. Chérie, tu ne me comprends pas. J'ai dit, je l'ai attrapé comme ça. J'ai dit, allons-y dans la chambre. Allons-y dans la chambre. On est entré dans la chambre. Je me suis assis. Non, mais elle sait que j'avais enlevé, j'ai déposé le sac pour qu'elle sache que je suis prêt pour l'écouter. Elle a parlé. Petit truc là, elle a fait une heure pour m'expliquer ce qui s'est passé en elle. Une heure. Quand elle finit, et là c'est extraordinaire, je découvre que les émotions qui sortaient en elle m'ont permis de comprendre le message qu'elle me voulait me communiquer et a permis de voir mon erreur. C'est-à-dire que quand tu vois le but, 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 tu peux connaître beaucoup d'erreurs. Si tu n'apprends pas à t'asseoir pour voir quels sont les chemins qui permettent d'arriver au but. Donc quand elle explique, je découvre là où j'ai échoué. Parce que j'avais saisi ses émotions et j'avais compris ce qu'elle voulait me faire comprendre. Là, quand elle a fini, je lui ai dit, chérie, pardonne-moi, je n'avais pas compris. Je vous dis la vérité, frère. Ce jour-là, ce qui s'est passé, c'est que elle m'a pardonné, notre relation a été guérie sur le champ. Donc, si j'ai quelque chose à dire, juste pour appuyer ce que Carole a dit tout à l'heure, c'est que Dieu a été bon. Il a fait certaines choses dans nos cœurs qui sont restées gravées. Mon épouse et moi, Dieu a tellement travaillé qu'on ne sait pas comment on se résiste. On ne sait pas ça. Je vous dis la vérité, ce n'est pas du mensonge. C'est-à-dire que quand quelque chose se passe, vous voyez, elle m'a offert une veste récemment, une veste, une chemise, une veste, une chemise, une cravate. La chemise était un peu grande. Donc, comme la couleur qu'elle m'a offerte, je me suis dit, elle voulait certainement que je mette cette couleur. Donc, elle a ramené la chemise. Mais derrière, je suis allé prendre la même couleur de chemise. Et puis, je vois dans mon portable, chérie, choisis les chemises. Là, c'était d'autres chemises. Hein. Choisis les chemises là. Et là, j'ai dit, chérie, tu m'as déjà offert la veste. Tu m'as offert une chemise bleue. Tu m'as offert une autre chemise. Tant. Et s'il te plaît, est-ce que tu ne peux pas attendre un peu? On va remettre ce don-là une autre fois. Parce que ça coûte un peu quand même. Alléluia! Elle m'a dit, et là, elle ne s'est pas fâchée. Hein. J'avais eu l'impression qu'elle s'est fâchée parce qu'elle m'a dit, elle dit, mais Dieu peut me bénir. Dieu peut me bénir avec un don qui me permet de t'offrir cette chemise. Donc j'ai eu l'impression qu'elle était fâchée. Donc j'ai appelé sur le champ. Parce qu'on ne laisse pas les choses durer. Si je sens dans le langage de mon épouse qu'elle n'est pas contente, j'arrête. Donc j'appelle, j'ai dit, je n'ai pas compris. Elle m'a expliqué, elle dit, non, je ne suis pas fâchée. Elle lui dit, bon, quand tu n'es pas fâché et que tu as la foi en Dieu, je vais choisir la chemise. Alléluia. On ne se résiste pas. C'est-à-dire, chacun court pour demander pardon. Dans notre couple, Dieu nous a bénis. Je vous dis, frère, Dieu nous a bénis. Chacun court. Les problèmes ne dorment jamais depuis que Dieu nous a délivrés. On les traite toujours, chaque jour, on les traite. Ça fait que quand il y a des problèmes avec les enfants, quand on veut les casser là, on leur dit, bon, vous êtes tenté de jeter vos battes là. Est-ce que vous avez vu, maman et moi, on a déjà fait, vous avez vu ça, on a fait ça une fois ici? Ils disent non. Ça les calme en même temps. Donc voilà un peu quelques fenêtres, quelques lumières sur les richesses. Les miracles que Dieu a produits dans nos cœurs. Il y en a beaucoup. Et nous voudrons dire de tout cœur merci au Seigneur. Merci aux parents qui ont été une grande lumière pour nous. Ils nous ont tout enseigné. Carole a déjà dit, je ne vais pas revenir dessus. Ils nous ont tout enseigné. Que le nom du Seigneur soit béni à jamais. Amen. Amen.